pari risqué. Mais pari réussi pour l'équipe de la nouvelle version de Starmania. Fin 2022, l'opéra rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon en 1979 a sonné l'alerte d'un retour sublime. Et on peut dire que le public est au rendez-vous. Lancé il y a 3 mois à peine, après avoir été reporté à cause de la pandémie de Covid-19, la comédie musicale a déjà donné sa 100e, comme l'évoque Marc Ladret de La Charrière dans les colonnes du journal Le Figaro. Plus de 300 000 spectateurs en 3 mois, une jauge pratiquement pleine tous les soirs, si est-il du jamais vu depuis bien longtemps pour une création française, précise le PDG de Fimalac Entertainment. Nous avons déjà vendu plus de 650 000 billets et allons partir en province avec un retour prévu à Paris cet automne et une tournée dans des pays francophones, comme la Suisse, la Belgique, le Canada. Véritable monument du patrimoine français, les aventures de Johnny Roquefort, de la serveuse automate, de Cristal et de 0 janvier sont donc prêtes à résonner à l'international. Il nous faudra atteindre 1 million de spectateurs pour amortir les investissements de départ. Le public aurait dû retrouver tous les titres emblématiques de Starmania bien plus tôt, sur scène, puisque ce retour était programmé, initialement, pour le mois de septembre 2020. Mais parfois, la patience est une vertu qui mérite d'être usée. L'opéra rock, mis en scène par Thomas Joly, chorégraphié par Sidi Larbi Cherkaoui et Kevin Vives, est un franc succès qui n'a pas fini de faire parler de lui. Si les tickets se vendent en masse, l'élaboration du show a cependant été un véritable risque financier pour Marc Ladret de La Charrière, qui a encore besoin de poursuivre l'expérience plus loin avant de rentrer dans ses frais. Si est-il un engagement financier hors norme puisque le budget final de pré-production est de 11 millions d'euros, assure-t-il. Chaque soir, 140 personnes sont nécessaires pour réaliser le show. Compte tenu du prix du billet, que nous avons voulu le moins élevé possible, il nous faudra atteindre 1 million de spectateurs pour amortir les investissements de départ. Nous les aurons, conclut-il, confiant. Si vous n'avez pas encore assisté à cette incroyable version de Starmania, que vous n'avez pas encore chanté à l'unisson avec Côme, Alex Montembeau et Mag. Il est encore temps, en France comme ailleurs. Retrouvez l'interview intégrale de Marc Ladret de La Charrière dans le journal Le Figaro du 31 janvier 2023.